Un charter d'immigrés afghans pourrait partir ce soir de l'Angleterre avec un stop à Roissy, d'après une source policière, et peut-être Lille. Ce vol groupé serait le premier depuis 2005. Les 16 Afghans seront encadrés par 8 policiers français. Éric Besson a déclaré à plusieurs reprises qu'il y aurait bien ces vols organisés en direction de Kaboul, ce qui mécontente les associations comme la CIMAD. Écoutez. Un pays qui quand même se revendique toujours comme patrie des droits de l'homme, qui revendique son attachement aux droits et même aux devoirs d'asile, finalement s'apprête à renvoyer des gens en sachant pertinemment que leur vie risque d'être menacée là-bas. La France est mieux placée que quiconque étant engagée militairement en Afghanistan pour savoir que la situation ne permet pas de garantir la sécurité des personnes. La France participe en ce moment à une réunion à Vienne sur le nucléaire iranien. Un peu plus tôt, l'Iran avait jugé inutile la présence de Paris alors qu'elle s'apprêtait à débuter cette réunion où figurent aussi les États-Unis et la Russie. Objectif, trouver un accord sur l'enrichissement de l'uranium iranien. Mélanie Bertrand et Philippe Salvador. Les négociations devaient apaiser les tensions, mais ce matin, l'Iran relance la polémique avec la France. Téhéran juge inutile la présence de Paris à la réunion de Vienne. Allô? Bonjour. Oui, je ne parle pas français. Espagnol? English, yes. Yes, I came to Paris because I want to finish the contract of the person who lived here. Yes, yes, I'm his brother. Yes, I'm here to finish, I'm in charge of all the legal stuff. Yes. Yes, she will not live here anymore. So I'm here to finish the contract of the apartment. Yes. I'm leaving today. Yes. Okay. Okay, okay. So I will go to your office and we... Yes. Okay. No, I'm not interested in I'm not interested in the stuff that from the apartment. I'm just leaving. I'm doing this and then I leave. Okay. Okay. Thank you. Goodbye.